Jésus t'aime. Qui croit ça? Qui croit l'amour de Dieu? Amen. C'est un amour incommensurable. Amen. Il s'en fout si tu as tué. Il faut que tu reconnaisses que Jésus-Christ est le Sauveur qui peut te sauver, que tu régles tes péchés et que tu es prêt à abandonner tes péchés. Et lui, il est capable de te faire sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Et en lui, il y a toutes sortes de choses. Il y a la solution, c'est tout. En lui. C'est uniquement qu'en lui, il y a le ciel, il y a la guérison, il y a le miracle. C'est pour ça qu'il dit, à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Selon Jésus-Christ, on peut avoir tout ça. C'est une assurance vie. Amen. 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 On est angoissé, on a peur. On ne peut même plus mettre la tête parce qu'on n'a pas Jésus. On est peut-être religieux. On dit, bon, on fréquente une église. Mais Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il n'est pas le maître de notre vie. Il ne règne pas à maître absolu. On ne cherche pas peut-être à même de l'ordre dans notre vie. On ne cherche pas à savoir si c'est lui qui doit conduire nos vies. On y va à l'église parce qu'on a envie d'aller à l'église. C'est l'église de nos parents. On nous a baptisés dans une église. Or, l'église, c'est l'ensemble des croyants, c'est ce que vous devez savoir. Vous croyez en qui? Vous suivez qui? Or, si vous croyez en quelque chose, la personne devient votre maître, votre guide. Jésus doit être ton guide. Dis à quelqu'un, Jésus doit être ton guide. Amen. Il est important que chacun d'entre nous fasse un effort de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui a fait le maître que Jésus. Il dit, cette coupe pourrait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais Père, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu n'est pas facile à supporter. Il y avait la croix. Jésus acceptait l'humiliation. Il y a l'humiliation dedans. J'ai même le rejet. On peut te rejeter quand tu acceptes Jésus. Ça va que tu n'es plus dans le système, donc on te rejette. Il y a le rejet. Ils ont abandonné Jésus. Jésus était seul. Il se trouvait dans la cour de Ponce Pilate, seul. Et le comble, Jésus se retrouve à la croix nue. L'ayant mis la plus grande honte, Jésus l'a connue. Amen. Il est passé par là. C'est un chemin inévitable. Mais après la croix, que la souffrance, symbole de souffrance, il y a la gloire. Dis amen. Amen. Acceptez de souffrir. S'il faut passer par là, accepte. Parce que c'est un chemin de gloire. Tu veux faire la volonté de Dieu. C'est pas facile à supporter. Parce qu'il y a la croix, il y a la souffrance. Jésus dit dans le jardin de Gethsémané, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, Père, que ta volonté soit faite. Du coup, le sang, la sueur, se transforme en du sang, de goût de sang. Parce qu'il y avait la croix affrontée. Il a été fouetté 40 coups de verges. Dans la loi mosaïque, ce n'est pas possible. Parce que les verges avaient des crochets comme des hameçons. Quand tu chicotes, ça peut sortir ta peau et ta chair. Donc le sang a coulé. Jusqu'à ce qu'il parte, le mont Golgotha. Écoutez très bien. Écoutez bien. Est-ce qu'on vous enseigne quelque chose? Quand Jésus arrivait au mont Golgotha, ça veut dire quoi? Le lieu des. Pourquoi on n'a pas tué Jésus? On n'a pas mis la tête de Jésus? Amen. Le diable a épargné la tête de Jésus. C'est ça, il dit, le diable peut te foudroyer, mais ta tête là, il ne faut pas jouer ça. Il y a des choses encore dans ta tête. Amen. Amen. La tête de Jésus n'a pas été touchée. Il ne faut pas permettre au diable de toucher ta tête. Amen. Amen. Tu as de l'intelligence, ne permet pas à quelqu'un de venir jouer ça. La tête de Jésus n'a pas été touchée. Bien qu'il soit mon Golgotha, devenu lieu des crânes, ta tête est là. Symbole de réflexion. Amen. Amen. Il y a un. Ils étaient tous deux à la croix. Il y a un qui l'a rejeté. Il y a un qui a reconnu la souveraineté de Jésus à la croix. Frère, quel que soit ce que tu vivras comme situation, ne permets pas qu'on vienne annuler ce qu'on appelle la conviction que tu as pour Dieu dans ton cœur. Non. Que personne ne vienne détruire ton rêve. Dieu marche avec les rêveurs. C'est pour ça que la tête de Jésus n'a pas été touchée. C'est un mont Golgotha. Quand tu es fini, on tue ta tête. C'est ta maman. Viens, monsieur. Viens, mon frère. Ta mère a prévu de tuer le 2 février.
Ouais, c'est pour ça que je n'aime pas donner les révélations. Là, on crie. Ouais, j'ai parlé des révélations, ça crie. C'est pour cela que je n'aime pas. Bon, va t'asseoir, on va parler à Dieu. À huis, ça s'appelle huis clos. Ouais, quand on est arrivé, on crie, oui, comme c'est. Mais c'est quoi? Vous comprenez? Je ne suis pas venu pour un spectacle. Je suis venu apporter une vie. Donc quand je donne une révélation, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que quand vous criez, ça effraie celui qui écoute ça. Il ne trouve plus de réflexe, il ne trouve plus. Non. On dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. La parole doit venir te guérir. Elle doit te restaurer. Elle doit te faire du bien. C'est la fin. Je n'ai pas encore fini l'introduction depuis. Maintenant, on dit la fin, Dieu te dit, tu as dit quoi? Just me. C'est tout émotionnel. C'est pour ça que les marabouts vous gagnent facilement. C'est pour ça que les petits pasteurs, soi-disant pasteurs, les petits prophètes disent ça. Ils aiment vous donner les révélations pour vous attraper. Amen. Ils aiment ça pour vous attraper. On ne doit pas révélation parce qu'il faut donner. Je parle, Dieu me dit. Il me montre la situation du frère. Donc je libère une révélation. S'il vous plaît. C'est pour ça que je n'aime pas donner des révélations publiques. Parce qu'on fait de ça un sujet. Et puis celui qui a créé révélation, on le supplie, Yako. Le prophète a parlé de toi, Yako, hein. Yako, hein. Or, il faut retenir quelque chose. Dieu ne voulait pas te donner une révélation pour te perturber, pour te détruire. Non, il te donne pour te situer par rapport à une situation. Ah, maintenant, il vient comme le sauveur pour te dire, je te sauve. Je te délivre de la situation. De cette situation. Sinon, ça devient du maraboutage. Le 2, c'était normal. Hein. La maman du monsieur assis sur lui. Elle fait de lui son époux. Amen. Amen. Mais Jésus va te délivrer. Amen. Amen. Jésus va te délivrer. J'aime pas trop les trucs comme ça en public. On a l'impression qu'on entend des faits pour que les gens nous regardent, le prophète est fort. Je ne suis pas là pour être fort. Je suis là pour attaquer la société. Ce n'est pas une question de fort. C'est une question de je vais te faire sortir d'une situation. Je suis enragé. Maintenant, si Dieu me donne la révélation, je te donne ça. Tout compte fait, il faut que tu sortes de ce problème-là. Amen. C'est ça qui m'intéresse. Sinon, ce n'est pas révélation. Non. Je peux te dire, ça se fait scanner. Tu dis où tu es né, où tu es sorti. Quand quelqu'un veut défier Dieu, je fais ça. Oh, je ne suis pas venu pour un spectacle, je suis venu pour vous apporter. Je me laisse utiliser par Dieu pour vous apporter une vie. Pas pour jouer, vous apporter toute une vie. Parce que Jésus, c'est la vie, ce n'est pas de la peu près qu'on sait Jésus. Ou on le sait, ou on ne le sait pas. Jésus, c'est la vérité, il existe. Et toujours dit aux gens, j'ai fait l'apparition de Jésus, c'est plus de 20 fois que je vois Jésus. Il faut être humble. Et c'est ce qu'il dit aux gens, soyez humbles. Nous ne sommes rien, nous sommes un jour appelés à mourir. Si Dieu nous utilise, c'est sa grâce. Nous sommes rien. Nous sommes péchés comme toi. Quand il a dit à quelqu'un à Paris, je suis péché. Il dit, ah, tu pêches. Il dit, oui, il pêche. Nous sommes tous péchés. Dieu nous fait la grâce. Et puis il nous utilise. C'est tout. Le prophète, quand j'étais mon Dieu, il dit, c'est faux ce que tu dis. Et j'ai ton Dieu. Il faut te répandre. Je ne peux pas être ton Dieu. Jamais je ne peux être ton Dieu. Parce que moi-même, j'ai pris Dieu. Non, mais tu dis. Tu es forgé, mais pourquoi j'ai faux? En quoi j'ai faux? Je dis, tu sais, c'est qui te dit là? Moi-même, je pêche comme toi. Il dit, ah oui, tous sont péchés. Je n'ai pas né chrétien. J'ai buvé un assidu avant. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai buvé un assidu. On me porte pour me protéger. C'est Jésus qui m'a délivré. J'ai fait l'akhba. J'ai fait tout ça. C'est Jésus qui m'a protégé. Je me suis converti, je l'ai accepté comme sauveur du Seigneur. Et puis j'ai vu, j'ai dit, si c'est toi qui es bon, délivre-moi. Il m'a délivré. Donc il me met à son service parce qu'il a envie de le faire. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai voulu être à son service. C'est Dieu. Le service de Dieu, c'est difficile. Tu n'as plus de vie. Je n'ai pas de vie. C'est ce que les gens doivent comprendre. Prophète, je n'ai pas de vie. Amen. Toujours ces faits de délivrance. Souvent, quelqu'un dit aux gens, je suis fatigué, ils sont fâchés. Il dit, mais pour là, où est-ce que je suis fatigué. Chaque jour, le téléphone.
brûle le téléphone. On m'appelle là, on m'appelle là, on m'appelle là, on m'appelle ça. Même la nuit, souvent, même à 2 heures du matin, je vois les gens, ils veulent être délivrés. C'est vrai, vous souffrez. Je suis un être humain. Amen. C'est Dieu qui se fatigue pas, je suis un être humain. Il faut que Dieu nous délivre de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour ça qu'il choisit les personnes prêtes à aller dans le combat. Oui, qui ont la compassion. Ils sont prêts à donner la vie. C'est ce qu'on appelle la consécration. On est prêt à oublier, ça, on s'oublie. Peut-être qu'on est prêt à s'engager. Amen. C'est pour ça que ma prière, il faut que Dieu nous donne une bonne femme qui va vous aimer aussi. Amen. 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 Tu n'as pas dit, hey, messieurs, tu n'es pas encore rentré, ça veut dire quoi ça? Il y a ministère et puis il y a ministère à la maison. Hein. Elle va venir me traumatiser. Le prophète oublie la délivrance, il oublie de rentrer vite, vite. Vous dites, ah, vous savez, ma femme m'appelle. Hein. Mon Dieu en train d'être détruit. Elle oublie d'accepter. Ah, elle oublie d'accepter. C'est la consécration. On est appelé à ça. On ne vit que ça. C'est pour ça que quand quelqu'un devient président de la République, il n'a plus de vie. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a ça. Quand Dieu nous appelle à ça, on n'a plus de vie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je suis révolté contre la sorcellerie. J'ai été très victime de la sorcellerie. Dieu m'a donné la victoire sur ça. Il m'a donné le don de les traquer et de les matraquer. Et ça va être joie. Et pour beaucoup de passions, je fais ce travail. Je n'ai peur ni des féticheurs. J'ai déjà des preuves. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir, qui discute ça. Il n'a qu'à venir se mettre devant moi. Pour dire, prophète Crasso, tu mens. Dieu n'est pas avec toi. C'est là que Dieu va le faire croire. Dieu va le montrer à plus de. Il y a une dame qui a fait ça dans un village qui m'insultait. Je lui ai dit à Jésus, tu vois, elle m'insulte. C'est pas moi. Je suis dans le village. Il a fait quoi dans le village là? Pour venir, il a fait quoi? Dès qu'elle a touché sa porte, elle est paralysée. J'ai une alliance avec Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. On ne s'est pas levé un matin pour venir à Dieu. Vous savez, le travail que j'ai fait là, quelqu'un n'a qu'à venir me faire comme moi. Ils vont le tuer. Quelqu'un n'a qu'à venir m'imiter seulement. Il n'a qu'à aller dans deux villages pour dire qu'il y a attrapé sorcier. Il y a longtemps, ils ont fait une bonne sauce pimentée pour la manger. Vous aimez les sorciers. Il n'a qu'à essayer de faire comme moi. Visiter, il peut aller prier, évangéliser. Mais pour lui, je vais faire la traque des sorciers. Il y a longtemps, ils l'ont mangé. C'est pas de la peur, c'est un appel. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous savez ça au pays d'Ida ici? Qui va venir lever le doigt pour venir attaquer? Tous les faux prophètes sont sortis, on les a tous tués. Les Dida, là, ils ont tous tués. Demandez. Moi, ils connaissaient pas Baye, c'est pas dans mon temps. Il n'est pas mon temps. C'est ici, il a pris ça. Donc, on les a tous éteints, on les a tous tués. Les Dida, ça. Il met à Zaroko dans le carton Vata. C'est le coin le plus terrible en matière de sorcellerie. Je rentre, je sors sans problème. Amen. Quand je viens sorcier, je vois ici. C'est un don. Ce n'est pas travail, ça. C'est un don. Tu vas aller dans un village 6 mois. Et puis à un moment, tu es galeux. C'est l'eau des marigots. J'ai souffert. Hein? Tu es privé de télévision. Tu es abruti, tu sors comme on est un apache. Tu vois la télévision, tu es content dans la vie. J'ai vécu ça ici. Et ils savent ça, j'ai vécu ça ici. Je m'oubliais moi-même. Il faut aimer les âmes, il faut aimer l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je suis là pour travailler pour le Seigneur, pas pour plaire à quelqu'un. Voilà. Ici, à Divo, c'est là que se trouvent toutes les universités de sorcellerie. Ils viennent faire des sorcelleries. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Chat, il y a trop de choses. Donc, comme on le sait très bientôt, j'ai mis du temps parce que je suis allé à Rouen pour voir un peu la mort de Jeanne d'Arc, m'imprégner de certaines réalités. Quand un blanc va lire mon livre, il va se convertir. J'ai vu trop de choses. Donc, quand un blanc va lire, il va comparer ce que je dis et vu ce qu'eux ils ont vécu là-bas, il va se convertir. La société, c'est une réalité. C'est nous qui avons amené les pasteurs à parler de ça. Regardez maintenant dans les médias, ils commencent à parler de sorcellerie. Je leur ai dit, si vous ne parlez pas de ça, vous n'êtes pas des vrais pasteurs. Nos problèmes, c'est quoi ces sorcelleries? Tu vas venir parler aux gens qui sont 1000 personnes. Le problème, c'est la sorcellerie. Jésus est bon, ils savent ça. Ils sont à la recherche d'un Dieu qui va les protéger. Vous ne parlez même pas de ça, et puis ça ne vous dit rien. Ils n'ont pas donné, ils seront prospères. Depuis quand? Donner l'argent, on va vous donner... Priez pour eux, s'ils sont délivrés, on donne. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Amen.
le pouvoir de la sorcellerie contre toi est vaincu. Amen. Je te dis en tant que prophète. Je suis quelqu'un, je ne me laisse pas séduire. J'aime attendre Dieu me parler. Et quand je dis Dieu m'a dit, c'est qu'il m'a dit. Amen. Amen. Demandez au peuple d'Ida qui vient dans leur région, qui fait un an, et puis il vit encore. Moi, j'ai fait plus de 3 ans, je suis là. Et puis qui n'est pas inquiété, qui n'est pas malade. Demandez-le à tous. Demandez. Il n'y a pas plus grand sorcellerie que dans le peuple d'Ida. Il n'y a pas. C'est pour ça que je suis ici. Amen. Amen. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est là où il y a des bandits qu'on va fêter la PJ. Voilà les traquer. Là, tu dis, tu te dis, sorti à Abidjan, à la Riviera. Pardon, monsieur, tu n'as pas appris la PJ. Sorcier à la Riviera. Tu vas manger à Sokosé. Toi, tu passes déjà sorcier, tu as Sokosé. Nous, on est dans le cœur de la sorcellerie. Ici, quand on nous allait, qu'on a un problème de sorcellerie, on attaque ça. Vite, 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 vite. On va au cœur de la sorcellerie pour attaquer sur les affronts. Et nous, on affronte, les affronte. C'est ce qu'on appelle ici la brigade. On les affronte pour les désarmes. Et puis on dit, vous voyez, vous avez Seigneur, il n'y a rien dedans. Oui, venez à Jésus. Et puis il vient, il laisse les armes. Celui qui veut s'entêter, on l'enterre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. C'est pas de la tchatch, c'est la puissance de Dieu dedans. Si Jésus n'était pas puissant, je n'allais jamais croire en lui. Je n'ai pas été séduit par le ciel, il y a le paradis. C'est pas ce qui m'a séduit. C'est la guérison miraculeuse de Jésus qui m'a mené à la conversion. C'est tout. C'est ça, je crois à la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu va te délivrer. Amen. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Comment ça lui met les lumières? Dieu va te délivrer. Amen. Amen. La femme sera délivrée. Amen. Vous n'avez pas envie de dire les choses où on dit. Mais... Laissez-nous souvent donner les révélations. Vous savez, quand tu as de l'expérience dans le ministère, l'expérience c'est de la sagesse. Ça crée en toi la sagesse. On ne veut pas séduire les gens. On ne veut pas lui tirer les regards. Moi, je n'ai pas besoin de tirer les regards des gens. Il sait que je suis convaincu, je suis appelé. Je suis arrivé à France, je dis, je suis à Paris, hein. Il y a 1000 personnes dans la salle. C'est mon appel que Dieu venait de confirmer. Je me mets en Italie, je suis là, hein. La salle est remplie. Quand tu es appelé, ça ne se discute pas. Il y a eu dans l'Amazonie, il y a attrapé sorcier. C'est l'appel. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Chacun a son don. Voilà. Moi, c'est ma spécialité. Je dors dedans, je me réveille dedans. Je peux te donner, expliquer en matière de sorcellerie. Et les gens sont des généralistes, ils vont jouer à ton sujet. Or, nous, on prend ça au sérieux. Quand tu dis j'ai rêvé, on dit, ah, tu as rêvé quoi? On commence à prendre le sujet au sérieux. Or, les gens ne sont pas dans le domaine, donc ils vont jouer, ils vont prier pour dire c'est fini. Or, nous, on ira jusqu'à, s'il faut qu'on parte dans ton village, on ira dans ton village pour traquer la sorcellerie. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Tu as compris? Et tu auras l'argent. Tu es né pour avoir l'argent. Je disais, c'est un monsieur à Zaroko. Le monsieur, c'est un orpailleur. Vous connaissez les orpailleurs, non? La zone de Iré, c'est un endroit où il y a l'or. Donc, orpailleur, c'est un truc qu'ils font, qui crée l'or de manière artisanale. C'est ce qu'on dit en français. Il faut avoir les papiers. Oh, la terre, là, ça nous appartient, n'est-ce pas? Et puis, on donne ça aux blancs, ils viennent prendre l'or, puis ils vont aller ça. On ne sait pas qui mange l'argent. Que Dieu nous aide. Amen. Nos parents souffrent. Et puis on vient prendre notre or. On ne sait pas où ça quitte. Cargo vient prendre, ça va. Quand tu fais pour toi, c'est artisanal. Tu es orpailleur. Il faut payer droit. Eh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Pourtant, tu sais que c'est pour ton grand-père, la terre. Et puis on dit non, ce n'est pas pour toi. Il faut laisser. Donc le monsieur, eux, ils commençaient à tuer les gens. Ici, là, il a tué les gens. Ils prennent le sang pour aller prendre de l'or. J'aurais dit, vous êtes maudits. C'est respecter le sang humain. J'ai fait une réunion avec les orpailleurs. Il est demandé le combat que j'ai mené ici, sur tous les fronts. J'aurais dit, j'ai fait une expérience. Je suis parti avec eux sur un terrain. Puis j'ai consacré le terrain. Un an après, l'or a envahi le coin. Vous pouvez y aller. J'aurais dit, l'or qui est dans la tête, ça va t'inquiéter.
Dieu. Dieu les a guidés de mon pas. Demandez aux gens. Le péché me suit, il me poursuit. Et Dieu a dit, toi tu seras millionnaire en or. Il a commencé en un rien de temps, un an, il a commencé à construire des maisons et tout ça. Vous savez, il faut avoir un guide dans ta vie. Qui est ton guide spirituel? Vous avez n'importe qui rentre dans vos vies. Ah, il est venu dans ma vie aujourd'hui, c'est un prophète qui te rencontre des choses. Il faut avoir un guide. Vous voyez pas au Sénégal, chaque Sénégalais dans une famille a un guide spirituel. Malheureusement, eux, c'est le marabout. Amen. Qui est ton guide spirituel? Qui te guide? Les prophètes sont des guides spirituels. C'est par eux que Dieu passe pour orienter les choses. Amen. Le jour, il te dit, je suis convaincu de prier pour toi. Il faut laisser tranquille d'or. C'est qui Dieu va agir. Dieu, ce n'est pas de la mission. Ce n'est pas il fait un miracle que je suis. Que Dieu bénisse. Amen. C'est sérieux ce que nous vivons. Parce qu'il y a un challenge. C'est-à-dire la vie, là, c'est un défi. Nous devons le relever chaque jour. Or, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on relève le défi. Ils nous attaquent sur tous les fronts. Ils ne veulent pas que nous rentrons dans un mariage. Ils ne veulent pas que nous soyons heureux. Ils nous attaquent sur tous les fronts. C'est pour ça que quand tu n'as pas un allié spirituel fort, on te détruit. Lorsque Israël était confronté aux Amalécites, il a failli Hur et Aaron qui sont montés à la colline pour soutenir Moïse dans ce combat. Tu as besoin d'un soutien. Là où tu es arrivé, là, tu as besoin d'être soutenu. Tu as trop gêné, tu as trop prié. Il faut un allié spirituel. Je viens comme un allié pour te soutenir. Amen. Alléluia. Un allié pour te soutenir. Tu as besoin de soutien. Comme à ton âge, tu as marché en célibataire. Tu as un master. Tu as eu un master, tu as eu un master en célibat. C'est-à-dire tout le monde est passé chez toi. Toute l'Afrique. Maintenant, tu es en train de faire tout l'Europe. Maintenant, l'Asie vient. Tu as peur d'aller en Amérique. C'est-à-dire tout le monde, toutes les nationalités sont venues chez toi. Et quand ils t'ont donné un master, ils disent, ah, toi là, tu as un master en célibat. Mais l'homme ne respecte toi. C'est ce qu'on appelle master en célibat. Tu as eu un master. Tu as touché Fousséni, tu as vu Digbé en Côte d'Ivoire, tu es allé au Mali, tout le monde, personne ne reste à toi. C'est ce qu'on appelle master en célibat. Amen. Le jour où les gens vont détecter ton étoile, ils vont t'attaquer. Ton étoile, c'est ça qui fait que les gens t'attaquent. C'est que tu dois démêler tes mains, c'est ce qui les effraie. Je vais t'enseigner le message ce matin. Saül avait peur. Parce qu'il sait que le trône là, ça ne lui appartient plus. Les gens savent que dans la famille c'est toi, ils savent, ils sont convaincus. Donc il veut des nuits. C'est pour ça qu'il disait, soyez très attention. Quels sont ceux qui marchent à vous? Vous parlez à qui? Vous enseignez qui? Vous comptez quoi à qui? Vous confiez à qui? À qui? Non, il ne fait pas ça. Il vit dans la solitude. Seul dans son coin, il médite ses projets. Quand il va les concrétise, il vient dans son coin, ça marche. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a quelqu'un, tu es béni. Amen. Amen. Qui croit au miracle de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Jésus-Christ? Amen. Vous voyez, dans cette cour, nous voulons construire. Nous voulons construire encore. Viens, ma fille. Viens, ma bengisse. C'est une bengisse. Elle était à mon programme à Paris. Ah, la bengisse, venez. Venez. Envoie-moi le petit blanc. Eh, hey, monsieur, viens ici. Il aime bien ma chanson. Ça va, ma fille. Oui, on les encourageait à revenir, vous voyez, en Afrique. C'est le combat que nous menons. Elle sait, j'étais à Romainville. Ça va? Ça va, petit? C'est la première fois qu'il vient en Afrique. Il dit, mais pourquoi les gens sont noirs? Les gens sont noirs! Les images sont trop précises. Le petit est traumatisé. Tout le monde est noir. Tout le monde est poussié. Et puis ça, il y a pain. Moussa même dans Abdama, il traverse la route. Tu oublies, il dit pain. Qui devant moi? Il n'a pas raison, il t'insulte.
Jean le Petit est traumatisé. Il fallait que nous sensibilisions les gens pour leur demander de venir. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Mais dis, ça va? Ça va, non? Tu vois ici. Tu restes à la télé, non? Hein? Tu aimes mes chansons, non? Quel chant tu sais chanter? Non, non, la musique a commencé, hein? Mais dans ton sang, il y a noix dedans. C'est de nous ici. Au moins, dignité. Sors pas là, hein. Un pour tout. Oui, il ne peut pas se séparer de cette nature. Il faut l'habituer à l'Afrique. Or, la présence de la sensualité fait que cette personne ne pourra pas venir ici. Si les parents ont peur de ça, ils vont rester là-bas. Donc, c'est ça mon combat. Il faut aller les sensibiliser. Venez à l'Afrique. C'est ça le pas. C'est sa première fois en Afrique, c'est ça? C'est ça? C'est ta première fois? Oui. Tu aimes la Côte d'Ivoire? Oui. Allez, à la clave, le Seigneur! La Cassia Benadio. Ils n'ont pas le temps. Bibi! 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 Tu n'as pas raison, là, il dit. Tu vas pas créer. Il va donner où? Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. On a dit à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, il faut aimer les gens venir avec leur famille à la vie. Il doit venir à la vie. Il doit venir avec leur famille. Il ne faut même pas qu'il ait peur. Faut pas pleurer, il va donner. Allez, vous asseoir. Il va donner. Il est blanc, en même temps noir, après ça métisse. Il est étonné de voir tout le monde est noir.
on marche, on est bizarre. Pépé, c'est mon bébé, ça nous dit rien. Faut qu'on amène l'enfant aimer la fête. Alléluia. Nous sommes allés pour faire une sensibilisation, pour dire aux gens ce de quoi vous avez peur. Nous, nous maîtrisons ça, c'est la sorcellerie, ok? Mais Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Venez en Afrique, en Afrique. L'Afrique a besoin. Le petit aujourd'hui, il vient deux, trois fois demain, il va vouloir investir en Afrique. Parce qu'ils savent, les parents blancs savent que c'est le continent d'avenir. Ils savent, ils sont convaincus que c'est le continent d'avenir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Jésus va nous délivrer. Nous Amen. Sommes à une rencontre de prière. C'est quoi prière? Vache là, hein? Nous sommes à une rencontre de prière. Nous prenons Ésaïe 62,